Donc, pour pouvoir améliorer notre photo avec le logiciel de Hitpower Photo AI, il suffit juste de se rendre dans ce site. Vous allez trouver son lien dans la description. Comme on le voit ici, ce site propose plusieurs fonctionnalités. Et l'une de ces fonctionnalités phares, c'est qu'il permet d'améliorer la qualité de notre photo. Donc, il suffit juste de cliquer sur Télécharger pour pouvoir le télécharger et l'installer. Après cela, on va lancer le logiciel. Et maintenant, ici dans le logiciel, on pourra choisir différentes fonctionnalités. Nous, on va se rendre directement dans la première fonctionnalité, celle d'améliorer nos images avec l'IA. Donc, celle-là. Pour l'importation des fichiers, c'est assez simple. Soit on a le choix, soit de prendre comme ça notre image et la faire glisser avec notre souris directement sur le logiciel, glisser déposer. Et maintenant, on a différentes technologies de modèles IA, soit doux version 2, soit indigène. À vous de voir laquelle que vous voulez sélectionner. Ici, on peut avoir un aperçu de notre image avant et après. Donc, par exemple, ici, comme vous le voyez ici, l'image, elle est vraiment très très bruitée. On n'arrive pas à reconnaître mon visage directement dans cette photo car elle est dégradée. Après l'avoir téléchargé sur internet. Donc, par exemple, moi ici, je vais sélectionner Doux version 2 qui donne des images plus naturelles et réelles. Donc, c'est celle-là. Il suffit juste d'attendre un peu pour la télécharger. Maintenant, on peut sélectionner notre visage dans la photo. Et voilà, sélectionner c'est tout. Si vous avez plusieurs visages, vous pouvez sélectionner plusieurs visages. Maintenant, j'ai cliqué sur Aperçu pour voir l'aperçu avant et après avoir choisi notre modèle de visage. Et voilà, avant et après avoir appliqué notre modèle de visage, vraiment, on constate une nette amélioration de notre photo. Ici, on peut choisir la résolution jusqu'à 4 fois ou à 8 fois, 8 fois la taille initiale. Donc, c'est vraiment top. On peut aussi calibrer les couleurs sur notre modèle de débruitage. Je vais ajouter celle-là. Je vais aussi activer le modèle de débruitage. Comme cela, je vais activer plusieurs modèles. Si vous avez des rayures, on peut ajouter celle-là pour enlever les rayures et cliquer sur l'aperçu. Voici maintenant le modèle avant et après avoir appliqué. Peut-être que j'ai trop abusé dans le réglage, donc je vais essayer d'ajuster tout ça. Voici maintenant le résultat avant et après avoir réglé mes réglages. J'ai choisi l'effet doux dans les réglages, dans le modèle de visage, pour avoir une meilleure qualité. Donc avec Doux version 2, c'est très important, la version 2 qui donne des meilleurs résultats. On peut aussi télécharger d'autres images, par exemple des images en noir et blanc, et les coloriser directement dans Hitpower. Donc pour cela, c'est facile, il suffit juste de télécharger le modèle colorisé. Donc maintenant qu'on a téléchargé le modèle colorisé, on peut le choisir et cliquer sur Aperçu pour voir l'aperçu de notre image après avoir appliqué et colorisé notre image en noir et blanc. Ici, on a une image de paysage, on retrouve une maison, des arbres, tout cela en noir et blanc. J'espère que l'intelligence artificielle de notre
logiciel HitPow nous donnera une image de très bonne qualité. Oh, comme on le voit ici, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. On retrouve le ciel, les couleurs du ciel, les couleurs de maison ici, les arbres qui sont un peu vertes. Malgré, on retrouve ici l'effet, le contre-jour, les ombres. Donc, je trouve que c'est réussi. C'est vraiment réussi pour moi. Même si elle est un peu sombre, sombre, mais on peut augmenter sa luminosité en cliquant sur modèle à faible luminosité pour pouvoir augmenter sa luminosité. Ou en choisissant ici le modèle général, qualité. Modèle général ici, il nous permet de enlever le bruit de notre image pour avoir une image de meilleure qualité. Comme on le voit ici, on retrouve plus de détails, plus de netteté et on retrouve plus d'informations sur notre image en général. Si vous voulez par exemple avoir ces deux effets, le modèle général et le colorisé, il suffit juste d'exporter ce modèle général. Voilà. Après, on revient ici et on va importer l'image qu'on a exportée. Après cela, on va l'importer sur le logiciel et on va appliquer la colorisation. Et voilà maintenant, formidable, on a pu augmenter sa résolution et encore plus la coloriser. Et comme cela, on a eu une image d'une très bonne qualité, de meilleure qualité. Même ici, dans ces arbres, on retrouve des détails. Donc c'est vraiment formidable. Donc, pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description qui va vous ramener vers HitPow en ligne, amélioration des photos pour avoir une meilleure qualité. En plus de ça, gratuitement et en ligne, il suffit juste de cliquer sur améliorer maintenant. Vous pouvez passer à sa version payante pour avoir d'autres avantages, comme par exemple un meilleur grossissement et enlever la vilaine et d'autres avantages que vous allez trouver dans la version payante. Donc maintenant qu'on est arrivé vers ce site, après cela c'est facile. Il suffit juste de choisir notre image, par exemple celle-là. Et comme on le voit ici avec sa version gratuite, on peut améliorer notre image x2. Voici. Et la voilà. Et dans sa version payante, on retrouve plusieurs et plusieurs d'autres modèles qu'on a vu dans le logiciel et un grossissement qui peut y aller jusqu'à 4 fois.